Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière préparatoire. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures douloureuses de ta Passion, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte jusqu'à mourir sur la croix. Donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances pendant que je vais méditer la 21e heure. Et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer, c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contraint soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil, je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elle. Accepte alors, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour, et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres, comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière, et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour, en implorant l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. Heure, de 13h à 14h. Deuxième heure d'agonie sur la croix. Deuxième parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mon amour crucifié, tandis que je prie avec toi, la force de ton amour séduisant et de tes souffrances maintient mon regard fixé sur toi. Mais mon cœur se brise de te voir tant souffrir. Tu es torturé par l'amour et la douleur, et les flammes qui te brûlent le cœur sont si intenses qu'elles sont en train de te réduire en cendres. Ton amour est plus fort que la mort même, et, donnant libre cours à cet amour, tu regardes le larron à ta droite et tu le dérobes à l'enfer. Tu lui touches le cœur par ta grâce et il devient tout transformé. Il reconnaît que tu es Dieu et tout contrit, il te dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et toi, tu lui réponds sans hésiter. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Tu en fais ainsi le premier triomphe de ton amour. Mais je vois que tu ne dérobes pas seulement le cœur du larron, mais que tu fais de même pour de nombreux mourants. Tu mets à leur disposition ton sang, ton amour, tes mérites, et tu te sers de tous tes stratagèmes et astuces divins pour toucher leur cœur et les dérober à l'enfer. Mais ici aussi, ton amour est contrarié. Combien de refus tranchants! Combien de fois on ne te fait pas confiance! Combien cède au désespoir. Je veux,
Ô mon Jésus, réparez pour tous ceux qui désespèrent de ta divine miséricorde au moment de leur mort. Mon doux amour, inspire à tous la confiance en toi, en particulier à ceux qui se trouvent dans les étreintes de l'agonie. Et par cette parole que tu as dite au larron, accorde-leur la lumière, la force et l'aide pour qu'ils puissent mourir saintement et s'envoler vers le ciel. Dans ton corps infiniment saint, dans ton sang, dans tes plaies, place toutes les âmes, ô Jésus. En raison des mérites de ton sang précieux, ne permets pas que même une seule âme soit perdue. Que ta voix, accompagnée de ton sang, répète à toutes. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Troisième parole, Jésus dit à Marie. Femme, voici ton fils. Et à Jean. Voici ta mère. Mon Jésus martyrisé, tes souffrances augmentent de plus en plus. Ah, sur cette croix, tu es le vrai roi des douleurs. Au milieu de tant de souffrances, aucune âme ne t'échappe. Tu donnes à chacune ta propre vie. Mais ton amour se voit contrarié et méprisé par les créatures. On ne s'en soucie pas. Et comme il ne peut s'épancher, il devient plus intense. Il te procure des tortures indicibles. Dans ces tortures, il recherche ce qu'il pourrait donner d'autre à l'homme pour le vaincre. Et il te fait dire « Tu vois, ô âme, combien je t'ai aimé. Si tu ne veux pas avoir pitié de toi-même, aie au moins pitié de mon amour. » Voyant que tu n'as plus rien à donner aux créatures, leur ayant tout donné, tu tournes ton regard suppliant vers ta maman, elle, qui, comme toi, se sent crucifiée à cause de tes souffrances et de l'amour qui la torture. Mère et fils, vous vous entendez. Et alors, tu respires de satisfaction et de réconfort en sachant que tu peux donner ta maman aux créatures. En associant Jean à tout le genre humain, tu dis à Marie d'une voix remplie de tendresse. Femme, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. Et, dans un doux cœur à cœur, tu poursuis. Ma mère, je te confie tous mes enfants. Tout l'amour que tu ressens pour moi, ressens-le pour eux. Que tous tes égards et toutes tes tendresses maternelles soient pour mes enfants. Toi, tu me les sauveras tous. Et ta sainte maman accepte. Je veux ici, ô mon Jésus, réparer les offenses qui sont faites à ta très sainte mère, les blasphèmes et les ingratitudes de tant de gens qui ne veulent pas reconnaître le grand bienfait que tu as accordé à tous en nous donnant Marie comme mère. Comment pouvons-nous te remercier d'un si grand bienfait ? Nous le ferons, ô Jésus, en t'offrant ton sang, tes plaies, l'amour infini de ton cœur. Ô très sainte Vierge, quel n'est pas ton choc en entendant la voix du bon Jésus qui te donne à chacun de nous comme mère. Nous voulons te remercier, ô Vierge bénie. Et pour te remercier, comme tu le mérites, nous t'offrons les remerciements même de ton Jésus. Ô douce maman, sois notre mère, prends soin de nous et ne permets jamais que nous t'offensions le moindrement. Tiens-nous toujours serrés sur Jésus. De tes mains, lie-nous à lui, de sorte que nous ne puissions plus jamais nous séparer de lui. Pour tous, je veux réparer les offenses qui sont faites à ton Jésus et à toi, ma douce maman.
Ô mon Jésus, tandis que tu es plongé dans tant de souffrances, tu plaides encore plus la cause du salut des âmes. Moi, je ne serai pas indifférente à cela. Comme une colombe, je volerai sur tes plaies, les baiserai, les soulagerai, et je me plongerai dans ton sang pour pouvoir m'écrier avec toi. Âme, âme. Jésus, je veux soutenir ta tête transpercée et endolorie pour réparer et pour implorer ta miséricorde, ton amour et ton pardon pour tous. Règne dans mon intelligence, ô mon Jésus, et guéris-la en vertu des épines qui te percent la tête. Ne permets à aucune défaillance d'entrer dans mon intelligence. Front majestueux de mon bien, je te donne un baiser. Attire toutes mes pensées à te contempler et à te comprendre. Yeux infiniment doux de mon Jésus, bien que couvert de sang, regardez-moi, regardez ma misère, regardez ma faiblesse, regardez mon pauvre cœur, et faites en sorte que je puisse éprouver les effets admirables du regard divin. Oreille de mon Jésus, bien qu'accablée par les insultes et les blasphèmes, vous demeurez tout de même attentive à nous écouter. Entendez mes prières et ne dédaignez pas mes réparations. Oui, ô Jésus, écoute les supplications de mon cœur. Il se calmera quand tu l'auras rempli de ton amour. Visage infiniment beau de mon Jésus, montre-toi à moi, afin que de tous et de tout je détache mon pauvre cœur, que ta beauté me fasse méprendre uniquement de toi et me tienne toujours ravie en toi. Bouche infiniment suave de mon Jésus, parle-moi, que résonne toujours ta voix en mes oreilles et que la puissance de ta parole détruise en moi tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas amour. Ô Jésus, je tends mes bras vers ton cou pour t'embrasser, et toi-même, tends les tiens vers moi pour m'embrasser. De grâce, ô mon bien, fais en sorte que cet embrassement d'amour soit si étroit qu'aucune force humaine ne puisse nous dégager l'un de l'autre. Ainsi, j'appuierai mon visage sur ton cœur et, avec confiance, je te donnerai un baiser sur tes lèvres et toi, tu me donneras ton baiser d'amour. Ainsi, tu me feras respirer ton haleine infiniment douce, ton amour, ton vouloir, tes souffrances et toute ta vie divine. Épaule infiniment sainte de mon Jésus, toujours forte et constante dans la souffrance par amour pour moi, donnez-moi la force morale, la constance et l'héroïsme dans la souffrance par amour pour vous. Ô Jésus, de grâce, ne permets pas que je sois inconstante dans l'amour. Partage avec moi ton immutabilité. Poitrine enflammée de mon Jésus, donne-moi tes flammes. Tu ne peux contenir ces flammes et mon cœur les cherche avec anxiété par l'entremise de ton sang et de tes plaies. Ce sont les flammes de ton amour, ô Jésus, qui te tourmentent le plus. Ô mon bien, partage-les avec moi. Cela ne te touche-t-il pas de compassion de voir une âme aussi pauvre de ton amour? Main infiniment sainte de mon Jésus, vous qui avez créé le ciel et la terre, vous voilà réduite à l'immobilité. Ô mon Jésus, continue ta création d'amour. Crée en tout mon être une vie nouvelle, la vie divine. Prononce tes paroles créatrices sur mon pauvre cœur et rends-le totalement comme le tien.
pied saint de mon Jésus. Ne me laissez jamais seul, mais faites en sorte que je cours toujours avec vous et que je ne fasse pas un seul pas loin de vous. Jésus, par mon amour et par mes réparations, je veux te soulager des peines dont tu souffres dans tes pieds infiniment saints. Ô mon Jésus crucifié, j'adore ton sang infiniment précieux. Je baise tes saintes plaies une à une, voulant leur prodiguer tout mon amour, mes adorations et mes réparations les plus ardentes. Que ton sang soit pour toutes les âmes lumière dans les ténèbres, réconfort dans la souffrance, force dans la faiblesse, pardon dans la faute, aide dans les tentations, protection dans les dangers, soutien dans la mort. Et qu'ils soient les ailes qui transporteront les âmes de cette terre vers le ciel. Ô Jésus, c'est à toi que je viens. Dans ton cœur, je veux faire mon nid et ma demeure. De l'intérieur de ton cœur, ô mon doux amour, j'appellerai tous les gens à toi. Et si quelqu'un veut s'approcher pour t'offenser, j'exposerai ma poitrine et je ne permettrai pas qu'on te blesse. Au contraire, j'enfermerai cette personne dans ton cœur, je lui parlerai de ton amour et je changerai ses offenses en amour. Ô Jésus, ô grand jamais ne permets que je sorte de ton cœur. Alimente-moi de tes flammes. Par ta vie, donne-moi la vie pour que je t'aime comme tu le désires si ardemment. Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ô Jésus souffrant, tandis que, serré sur ton cœur, je m'abandonne en comptant tes souffrances, je vois qu'un tremblement convulsif envahit ton humanité infiniment sainte. Tes membres se débattent comme s'ils voulaient se détacher l'un de l'autre. Et durant ces convulsions, tu cries avec force. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce cri, tous tremblent. Les ténèbres deviennent plus épaisses. Ta maman, pétrifiée, pâlit et se sent très mal. Ma vie, mon tout, mon Jésus, que vois-je? Ah, tu es tout proche de la mort. Tes souffrances, qui t'ont toujours été fidèles, sont sur le point de te laisser. Après tant de souffrances, c'est avec une douleur immense que tu vois que beaucoup d'âmes ne sont pas incorporées en toi. Au contraire, tu vois que beaucoup seront perdues. Et tu ressens la douloureuse séparation d'avec elle. Et comme tu dois satisfaire la justice divine, même pour ces âmes, tu ressens la mort de chacune et les peines même qu'elles souffriront en enfer. Et tu cries fort à toutes. Ne m'abandonnez pas. Si vous voulez plus de souffrance, je suis prêt. Mais ne vous séparez pas de mon humanité. C'est cela, la douleur des douleurs, la mort des morts. Tout le reste me serait néant si m'était épargné votre séparation d'avec moi. De grâce, pitié pour mon sang, pour mes plaies, pour ma mort. Ne m'abandonnez pas. Mon amour, combien je suis désolée. Tu t'essouffles, ta tête infiniment sainte tombe déjà sur ta poitrine. La vie t'abandonne. Mon amour, je me sens mourir avec toi. Moi aussi je veux crier avec toi. Âme, âme, je ne veux pas me détacher de cette croix, de tes plaies, pour te procurer des âmes. Et si tu le veux, je descendrai dans le cœur des créatures. Je les entourerai de tes peines afin qu'elles ne m'échappent pas.
Et si cela m'était possible, je voudrais me mettre devant la porte de l'enfer pour faire reculer les âmes qui s'y présentent et les amener à ton cœur. Ô mon Jésus, tu agonises et tu te tais, et moi, je pleure ta mort prochaine. Je compatis avec toi, je serre ton cœur sur le mien, je lui donne un baiser et je le regarde avec toute la tendresse dont je suis capable. Et pour te donner un soulagement plus grand, je fais mienne la tendresse divine et c'est avec elle que je veux compatir avec toi. Je veux changer mon cœur en un fleuve de douceur et le verser dans le tien pour adoucir l'amertume que tu éprouves à cause de la perte des âmes. Il est extrêmement douloureux, ton cri, ô mon Jésus. Plus que l'abandon du Père, ce sont les âmes qui s'éloignent de toi qui font s'échapper de ton cœur cette lamentation douloureuse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ô mon Jésus, augmente en tous la grâce afin que personne ne se perde. Que ma réparation soit au profit des âmes qui devraient se perdre pour qu'elles soient sauvées. Ô mon Jésus, par cet abandon extrême que tu ressens sur la croix, je te prie de donner ton aide aux nombreuses âmes aimantes à qui tu demandes d'avoir pour compagnon ton abandon. Ce que tu fais en leur donnant la sensation d'être privé de ta présence, d'être plongé dans les ténèbres, toi qui les portes pourtant si serrées sur ton cœur. Ô Jésus, que les souffrances de ces âmes amènent beaucoup d'âmes près de toi et te soulagent dans ta douleur. Réflexion. Au bon larron, Jésus pardonne avec tant d'amour que c'est immédiatement qu'il amène avec lui au paradis. Et nous, prions-nous pour l'âme des nombreux mourants qui ont besoin d'une prière, afin que pour eux se ferme l'enfer et s'ouvrent les portes du ciel ? Les peines de Jésus sur la croix augmentent, mais oublieux de lui-même, il prie sans cesse pour nous. Il nous donne tout, y compris sa très sainte mère, faisant d'elle le don le plus précieux d'en disposer son cœur. Et nous, savons-nous tout donner à Jésus ? En tout ce que nous faisons, prière, action, etc., avons-nous toujours l'intention d'absorber de l'amour frais en nous pour pouvoir ensuite tout redonner à Jésus ? Nous devons absorber l'amour pour le redonner, afin que tout ce que nous faisons porte l'empreinte de Jésus. Quand le Seigneur nous donne de la ferveur, de la lumière ou de l'amour, savons-nous nous en servir pour le bien des autres, pour favoriser leur conversion ? Ou bien, gardons-nous égoïstement pour nous seuls ces grâces ? Ô mon Jésus, que chaque petite étincelle d'amour que je ressens dans mon cœur devienne un incendie qui consume le cœur de chaque créature et la conduise à ton cœur. Quel usage faisons-nous du grand don qu'il nous a fait de sa maman ? Faisons-nous notre l'amour de Jésus, ses tendresses et tout ce qu'il faisait afin de contenter sa maman ? Pouvons-nous dire que notre divine mère trouve en nous le contentement qu'elle trouvait en son divin fils ? Sommes-nous toujours unis à elle comme des enfants fidèles, lui obéissant et imitant ses vertus ? Pour pouvoir donner à Marie le contentement que lui donnait son fils, faisons notre l'amour que Jésus éprouvait envers sa mère, la gloire, la tendresse et toutes les finesses d'amour qu'il lui donnait continuellement. Et disons-lui, j'ai en moi Jésus, et pour te rendre contente et pour que tu puisses trouver en moi ce que tu trouvais en Jésus, je te donne tout. De plus, belle maman, je veux donner à Jésus tous les contentements qu'il trouvait en toi et, pour ce faire, je veux entrer dans ton cœur et prendre ton amour, toutes tes tendresses et tous tes soins maternels pour les donner à Jésus. Douce maman, que tes mains maternelles soient les douces chaînes qui me tiennent liées à toi et à Jésus. Jésus ne s'épargne en rien. Nous aimant
d'un amour suprême. Il veut nous sauver tous et, si c'était possible, il voudrait arracher à l'enfer toutes les âmes, même en subissant toutes leurs peines. Cependant, il voit que bien des âmes cherchent à se détacher de ses bras. Alors, ne pouvant contenir sa douleur, il s'exclame « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous, pouvons-nous dire que notre amour envers les âmes est semblable à celui de Jésus ? Pouvons-nous dire que nos prières, nos peines et toutes nos actions, même les plus petites, sont unies aux actions et aux prières de Jésus pour arracher les âmes à l'enfer ? Comment compatissons-nous avec Jésus dans son immense douleur ? Si notre vie pouvait se consumer en un holocauste continuel, cela ne serait pas suffisant pour compatir adéquatement à cette douleur. Chaque petite action que nous faisons en union avec Jésus, chaque petite peine que nous vivons en union avec lui peut servir à arracher des âmes des griffes de Satan pour qu'elles ne tombent pas en enfer. Si nous sommes unis à Jésus, nous avons en main son propre pouvoir. Et si au contraire, nous ne faisons pas nos actions en union avec lui, elles ne serviront pas à empêcher ne ce fût-ce qu'une âme d'aller en enfer. Mon amour et mon tout, tiens-moi serré sur ton cœur, afin que je ressente combien le pécheur t'afflige en se détachant de toi, et qu'ainsi je puisse faire ma part pour le ramener à toi. Ô Jésus, que ton amour brûle mon cœur, afin que je puisse ressentir l'amour que tu as pour les âmes. Quand je souffre des amertumes, alors, ô Jésus, donne libre cours à ta justice sur moi et prends la satisfaction que tu veux. Mais le pécheur, ô Jésus, qu'il soit sauvé et que mes peines soient un lien qui l'attache à toi et que mon âme ait la consolation de voir ta justice satisfaite. Offrande et remerciement. Mon aimable Jésus, tu m'as appelé durant cette heure de ta passion à te tenir compagnie et je suis venu. Il m'a semblé te voir prier, réparer et souffrir, et avec les paroles les plus tendres, plaider pour le salut des âmes. J'ai cherché à te suivre en tout. Avant de te laisser, je veux te dire un merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, merci mille fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour nous tous. Je te dis merci et je te bénis pour chaque goutte de ton sang et chacune de tes larmes versées, pour chacune de tes respirations, chaque battement de ton cœur, chacun de tes pas, de tes paroles et de tes regards, et pour chaque offense que tu as supportée pour nous. De grâce, fais en sorte, mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions, de sorte que cela attire sur moi et sur toutes les créatures les flots de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes. Marque toutes les parcelles de mon être, de ton je te bénis, de sorte que rien ne sorte de moi sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Je m'abandonne à toi et je veux te suivre en tout. Je laisse mes pensées en toi pour qu'elles te défendent de tes ennemis, mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie, les battements de mon cœur pour te dire sans cesse « je t'aime » et pour te dédommager de l'amour que ne te donnent pas les autres créatures. Les gouttes de mon sang en offrande de réparation et pour te restituer les honneurs et l'estime dont te privent tes ennemis. Finalement, tout mon être pour te garder. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes affaires, je reste dans ton cœur et je crains d'en sortir.
Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Nos battements de cœur s'entendront l'un l'autre et se confondront, de sorte qu'ils me donneront vie, amour et union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis sur le point de te fuir, que tes battements de cœur s'accélèrent dans mon cœur, que tes mains me pressent plus fortement sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me jettent des flèches de feu, afin que, te ressentant, je me laisse tout de suite gagner à rester avec toi. Je t'en prie, ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis-moi. Et moi, je baise ton cœur infiniment doux et je reste en toi. Que la bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, Père et Fils et Esprit Saint, descende sur moi et y demeure à jamais. Amen.